Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Scandale au ministère de la Santé, la page de Pété Diallo tournée. Vente de médicaments à Madina, les vendeurs inquiets. Le Parlement sud-africain vote pour la fermeture de l'ambassade d'Israël. Législative aux Pays-Bas, ce mercredi qui remplacera Mark Rutte. Comme je vous le disais dans les titres, une fois encore, bonsoir. En Guinée, ministère de la Santé, Dr. Pété Limogé est accusé d'insubordination. Les images. Le bateau de la transition semble dépasser Pété Diallo, désormais l'ex-ministre de la Santé. Accusé d'insubordination et de corruption d'une somme de 200 milliards liée à l'achat des vaccins de COVID-19. Une décision du président de la République, le Limogeant, n'a pas tardé. L'ex-ministre de la Santé aurait tenté de s'enfuir avant d'être arrêté ce matin pour être auditionné. Docteur Djoué Diallo, c'est le nom de celui qui a pris sa place, auparavant fonctionnaire de l'État. Descente musclée des forces de l'ordre à Madina, boutiques et magasins fermés. Le reportage. Depuis lundi, des équipes mixtes de police et de gendarmes ont pris d'assaut le marché de Madina dans la commune de Matam. Elle était venue pour embarquer des produits pharmaceutiques récemment saisis dans des boutiques de ce grand centre de Conakry. Mais lors de cette opération, les agents ont semé la panique et suscité la peur de nombreux commerçants sur les lieux. Sur les lieux, les agents ont bouclé les entrées et les sorties du marché. Ils se sont ensuite attaqués à des boutiques scellées qui contenaient des produits pharmaceutiques. Ces produits se trouvaient dans des cartons et des sacs de farine. Ils les ont tous embarqués dans des camions et conteneurs de 40 pieds. Les législateurs sud-africains ont voté mardi en faveur d'une motion appelant la fermeture de l'ambassade d'Israël et à la rupture des liens diplomatiques jusqu'à ce que l'Israël accepte un cessez-le-feu à Gaza. Le reportage. Le vote de la motion soutenue par le parti du pouvoir, l'African National Congress, a eu lieu alors que le président Cyril Ramaphosa, lors d'une réunion avec d'autres dirigeants mondiaux, a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza avec son offensive militaire pour rechercher les dirigeants du Hamas. Il n'y a pas d'abstention. 91 ont voté contre et 298 pour. La motion telle qu'amendée est donc acceptée. La motion déposée par le parti d'opposition économique Freedom Fighters a reçu le soutien de 248 membres du Parlement, tandis que 91 législateurs s'y sont opposés. Nous serons aux côtés de tous ceux qui défendent la paix et qui veulent une Palestine libre. La Palestine maintenant, une Palestine libre maintenant. Le cessez-le-feu doit être mis en place. L'ambassade d'Israël devrait rester fermée jusqu'à ce qu'ils comprennent tous leurs actes malveillants. Le vote a eu lieu après que le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré avoir rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, Olivia Beslovsky, Jérusalem pour consultation. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont connu une montée des tensions à cause de la guerre à Gaza. Burkina Faso, Guillaume Soro rencontre le capitaine Traoré. Le reportage. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro en visite à Ouagadougou au Burkina Faso. Mardi, l'ex-patron de la rébellion ivoirienne a rencontré le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré au palais de Kossiam. L'information est donnée via un communiqué de la présidence du Burkina Faso. Cette rencontre avec le capitaine Traoré intervient 8 jours après celle à Niamey avec le chef du régime militaire du Niger, le chef Abdourahmane Tiani. Guillaume Soro a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat contre le terrorisme.
Un mandat d'arrêt avait été lancé en 2016 par la justice militaire burkinabé à son encontre dans le cadre de l'enquête sur un putschiste raté de 2015 après la chute du président Blaise Compaoré. Ce mandat avait ensuite été annulé par voie diplomatique. L'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est rentré en Afrique début novembre après plus de 4 ans d'exil européen. Il a été condamné en 2020 à son absence en 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire, puis à perpétuité un an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Algérie-Turquie, des bonnes reçoit Erdogan. Suivez. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu par son homologue algérien Abdelmajid Tebboune à Alger. Accueil solennel à l'aéroport d'Alger, puis direction le palais présidentiel. Le chef de l'État, le co-président de la deuxième réunion du Conseil de coopération de haut niveau Turquie-Algérie à l'ordre du jour. La coopération entre les deux pays, mais également Erdogan et Tebboune, aborderont ensemble les questions internationales, notamment des frappes israéliennes sur Gaza à l'aube d'une possible trêve humanitaire. Congo, 31 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée. Suivez. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade, mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Dornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte, police-forces armées congolaises, a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. L'appel sous le drapeau, lancé pour 1500 postes à pourvoir, a très vite tourné au drame lorsqu'une foule immense s'est portée volontaire. Les responsables de la sécurité du stade n'ont pu contenir la pression de ces jeunes à la recherche d'un emploi. Un premier de 37 morts a tout de suite été revu à la baisse jusqu'à 31. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur. Et les blessés sont pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'est empressée devant le portail. Et puis, les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis, les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Et toute la foule qui était derrière moi sont venus parler sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. La République du Congo, également connue sous le Congo-Brazzaville, n'est pas à sa première catastrophe du char. Pour rappel, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994, dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. Le Congo-Brazzaville n'a pas la réputation démographique de son grand voisin, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un petit pays pauvre d'environ 5 millions d'habitants, malgré ses importantes réserves de pétrole et de gaz. Le chômage concerne environ 42% de la jeunesse, selon la Banque mondiale. Les élections néerlandaises de mercredi promettent de secouer les Pays-Bas, le premier ministre sortant de Mark Rutte ayant annoncé se retirer de la vie politique après plus de 13 ans à la barre, un record. Suivez.
Alors que les sondages suggèrent à moins d'une semaine de scrutin toujours un coude à coude entre les favoris et que le prochain gouvernement sera certainement une coalition. Voici les principaux candidats en lice pour diriger la cinquième économie de l'Union européenne. Dilan Yezligoz, d'origine turque, est arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 8 ans, emportant seulement ce que sa mère avait pu mettre dans son sac avant de monter sur un bateau à destination de la Grèce. Aujourd'hui âgé de 46 ans, cet ancien réfugié qui défend une position ferme sur la limitation du nombre de demandeurs d'asile espère devenir la première ministre néerlandaise. Mais son expérience à l'Union européenne pourrait jouer contre lui aux Pays-Bas, où nombreux sont ceux qui s'opposent à l'ingérence de l'Union européenne, notamment dans la politique agricole. Le mouvement agriculteur citoyen qui a remporté une victoire éclatante lors d'élections régionales en mars s'oppose exactement à la politique préconisée par M. Timmermans à Bruxelles. L'Ukraine réaffirme son attachement à l'Europe. Le reportage. Volodymyr Zelensky a réaffirmé sa volonté d'intégrer au plus vite l'Union européenne. Il voit le soulèvement de Maïda comme le début de la résistance à Moscou. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'au moins 1000 personnes ont été tuées en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il s'attend toutefois à un bilan plus élevé car ses investigations continuent. Parmi les morts récentes, la moitié ont eu lieu loin du front dans des bombardements. Au moins 560 enfants ukrainiens ont été tués dans cette guerre. L'Ukraine a commémoré les 10 ans du soulèvement de la place Maïdan. Les manifestations avaient débuté dans le centre de Kyiv pour protester contre l'orientation pro-russe du régime de l'époque, dirigé par Viktor Yanukovych. Sous la pression de Moscou, il avait refusé de signer au dernier moment un document rapprochant un pays de l'Union européenne. La répression sanglante avait fait une centaine de morts parmi les manifestants. Viktor Yanukovych avait fini par fuir son pays pour la Russie. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la Guinée piégée par le Botswana. Le Botswana recevait la Guinée ce mardi 21 novembre 2023 au Itani Stadium, au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Botswana l'a remporté sur le score de 1-0. Malgré l'harmonie entre les poulains de Kaba Diawara, n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Le processus de qualification de la Coupe du Monde s'annonce mal pour la sélection guinéenne. Va-t-elle réussir à battre la prochaine sélection qu'elle affrontera après le reste de la course vers la Coupe du Monde? Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne télé panafricaine IBM Soul TV. Je vous remercie.